extremely low battery. Alors je vais vous montrer quelque chose que j'aime bien aussi. Là, je vais sortir de l'application. Voilà, je vais prendre la batterie de celui-là. Je garde mon téléphone puisque je suis en train d'enregistrer avec mon téléphone. Donc j'appuie sur le bouton derrière, je soulève et là, ça se déclipse automatiquement. Je vais prendre la batterie de celui-ci qui a volé un peu moins. Je le remets en route. Tac. Les moteurs ne chauffent pas du tout. Ça, j'ai trouvé ça assez hallucinant aussi pour des petits brushed. Voilà. Donc là, j'ai simplement mis l'autre batterie et je refais Connect Now. Donc si vous avez plusieurs batteries, voilà comment ça se passe. Il me trouve mon drone, forcément. Annulé. Et voilà, on est connecté directement. Allez, on va tenter de se faire une petite balade là-bas vers la salle de bain. Alors, décollage auto. Ok. Et c'est parti en vol FPV. On va voir ce que vaut la connexion. Alors, les touches sont proportionnelles, bien sûr. On peut y aller en douceur. Dans la salle d'eau. Hop là. On va se regarder dans la glace. On se voit, il n'y a pas de souci. Ah, batterie low. Allez, on va revenir à la maison. Ah, touché! Te voilà! Donc ça, je voulais vous en parler aussi. Il y a une coupure moteur automatique dès qu'il y a un choc sur l'appareil, dès qu'il se retourne ou qu'il y a un gros choc. Coupure des moteurs instantanée pour sauvegarder les hélices. J'ai eu quelques petits contacts, même en extérieur, et rien d'abîmé, forcément. On est vraiment super fiable et très costaud sur ces petits engins. Perso, j'adore. Voilà, après, vous ferez votre propre petite idée, bien sûr. Mais alors moi, je surkiffe ces petits engins. On n'a pas vu ce que donnait la vidéo, vite fait! Tac. Hop. Alors je vais le fixer en face de moi. Voilà. Et je lance la vidéo. Tic. C'est parti. Donc voilà ce que donne le rendu vidéo en intérieur. Donc ce sera peut-être un petit peu plus propre en extérieur. D'ailleurs on va tout de suite... Ouais, je sais, batterie low. On va tout de suite aller au petit parc parce que je voulais le tester en extérieur, voir ce que ça donnait au niveau de la portée, au niveau de l'altitude. Et franchement, j'en suis content aussi. Allez, on se pose. En manuel. Boum. En manuel ou en auto, comme on veut, j'arrête la vidéo. Donc comme je vous disais, hop, on peut retrouver bien sûr les vidéos et photos dans la galerie. Donc là, c'est les deux photos et la vidéo que j'ai fait tout de suite. Donc je vais faire... sélectionner, je vais sélectionner les trois ici et je vais faire download tout bêtement. Voilà, et les trois vont se télécharger. Donc ensuite on les aura dans l'album local ou dans votre téléphone tout simplement. Donc voilà pour ces petits Mi Too. On se retrouve au petit parc vite fait pour tester dehors ce que ça donne. Alors je voulais faire un petit test. Déjà, on va pas se mettre en headless mode, on va se mettre en pilotage de base. Et je voulais tester le rendu vidéo et le rendu de la photo. Alors c'est parti pour une petite photo, bien sûr la pose habituelle, c'est clair. Tac, photo completed. Voilà, et je vais lancer la vidéo. Tac, c'est parti. Et je vais voir au niveau portée ce que ça donne. Alors on a un petit peu de vent, je vais augmenter un peu la sensibilité, je vais mettre en haute sensibilité, voilà, et là on aura un peu plus de pêche, voyez. Alors est-ce que j'ai suffisamment de pêche à force de jouer pour les petits loops? Flip avant, alors on a un décalage et il se refixe, on voit qu'il a freiné. Je vais le ramener. Donc le positionnement marche plutôt bien, on a un vent comme ça là. On voit que le drone s'oriente un petit peu. On va faire un roll droit. Vous voyez, il perd et hop, il freine. Ah, le positionnement marche plutôt bien quand même. Ça me marque hein, que le terrain est moyen pour faire du repérage.
Allez, on va partir un peu en avant et on va voir ce que ça donne au niveau de la portée. Je vais rester assez bas. Là, j'ai toujours la réception. On a une bonne distance pourtant. J'avance encore. Alors, je vais passer en mode headless ici. Voilà. Je vais le retourner vers moi. Et la réception Wi-Fi est assez impressionnante. Là, je me vois. C'est parfait. Ok, je continue à pousser un peu. Super bonne portée. Je suis à 70 mètres. Je reprends de l'altitude ou pas? Ouais. Toujours. Et très très peu de latence. Ah, ça y est, j'ai une petite latence sur la vidéo. Donc, je vais le ramener. Je tire vers moi puisque je suis en headless. Ah, est-ce que... Ah, ça y est, j'ai perdu la connexion. Alors, je vais refaire un connect. Il cherche le Wi-Fi. Je me rapproche de lui. Par contre, le drone reste en l'air. Hein. Ça bouge pas, c'est top. Hein. Donc, 50 mètres, hein. Évitez de faire un peu plus de 50, là, même si j'ai été un peu plus loin. Alors, je réessaye la connexion en me rapprochant. Ah, il veut que je rentre le mot de passe. Je sais plus si c'est jusqu'à 9 ou 8. Capturing image, ça y est, je l'ai récupéré. Je repasse en headless mode, tac, et je tire vers moi. Hop là, non, je suis plus en headless. Donc je retire le headless mode et je pars en avant. Voilà, eh, super. Wow. Bonnes images. Wow. Hey, il marche bien. Impressionné par la vitesse en vitesse 3. Excellent. Allez, une petite... Allez, bonne petite pêche. Hein. Maintien d'altitude est excellent. Cool à piloter en tout cas. Là, ça y est, j'ai atteint un taux de batterie où je peux plus faire de flip auto. Je vais pouvoir stopper la vidéo. Alors j'adore ce mode aussi où dès qu'il touche quelque chose il s'arrête. Alors je coupe la vidéo, on aura quand même un bon rendu d'image. La rotation est bien progressive. Oh, c'est propre hein, quand même. Batterie low. Alors faites attention, c'est marqué batterie low, faites attention. Et le positionnement est propre hein, quand même. Super facile à manœuvrer, vu que sur l'appli, partout où on touche, ça répond. Franchement génial. Ouais. Ah, propre. Hein. Excellent petit engin. Batterie low. Alors, atterrissage dans la main. Hop. Yes. Ouais, je suis assez surpris quand même hein, par ces caractéristiques. Bonne petite performance. Les moteurs chauffent pas beaucoup, le drone non plus. Donc, je vais pouvoir mettre ma deuxième batterie. L'autonomie est satisfaisante, perso. Sympa aussi le fait de ne pas avoir besoin de retourner dans les paramètres Wi-Fi. Voilà, lancement à la main. Ok. Hop. Voilà. Et il s'est stabilisé. On va refaire le petit tour. Ah, franchement, très sympa. Alors, on va tester la limite d'altitude. 8 restriction. Alors, je vais le mettre à... Bon, je vais le mettre à fond. On va bien voir s'il drift avec le vent. C'est parti. Alors, l'avant est par là. Je vais mettre l'avant là-bas pour pouvoir le repérer. C'est parti, on décolle. Il a une bonne petite pêche aussi. Alors là, j'ai pas le renseignement d'altitude, bien sûr. Le problème, c'est que si je perds la connexion, je peux pas monter pour la récupérer. Donc on a toujours les images. Je vais me faire un petit panoramique. Ah oui, attendez, il faut que j'enregistre. Tac.
Alors c'est parti pour un petit panoramique. Doucement, c'est proportionnel. Elle est fort hein, quand même pour un petit engin. Vraiment fort. Et là, je me remets dans l'alignement que j'étais tout à l'heure. Je vais avancer un peu. Hop. Allez, je reprends de l'altitude. Pour l'instant, j'ai aucune saccade sur l'écran. Bonne portée, ça y est, j'ai atteint la hauteur maximum, il ne veut plus monter. Donc je dois être à 25 mètres, je redescends. Là il drift un peu, est-ce qu'il va se stabiliser? Eh ouais! Et là pourtant je suis à un peu plus d'une dizaine de mètres. Il m'a marqué qu'il avait du mal à reconnaître le sol, mais ça marche quand même. Le vent s'est calmé. Superbe. Pas de souci pour les flips, ils se refixent à chaque fois, ils cherchent l'endroit et ils se fixent, c'est sympa. Là il a fait un décalage à gauche. On va se le refaire à droite. Allez, le vent est par là maintenant. Ah, même dans l'air, il arrive à trouver sa position. Super joujou. Super joujou. Il vous maintient d'altitude, c'est impressionnant. Il bouge pas. Ah, on a un petit rayon de soleil là. Ça vaut peut-être une petite photo. Yes. Une photo complète. Il est super propre, il est stable. Bon bah autant vous dire que j'en suis assez content les enfants. Voilà, le soleil dans la figure. Il y a une bonne petite pêche quand même. Regardez, je descends encore en altitude. Allez, je pousse en avant. Regardez ça. Ah, batterie low. Il faut que je fasse du be careful. Excellent. Allez, je le ramène. Merci mon petit Xiaomi. Allez, je stoppe l'enregistrement. Tic. Excellent. Allez, on retourne à la maison. Yeah! Donc voilà les amis, en ce qui concerne les petits Xiaomi Mi 2, perso je suis fan, au départ je voulais vous les faire gagner, peut-être un peu plus tard, parce que j'ai deux potes qui sont venus et qui ont testé les combats et qui m'ont dit pour l'instant garde-les, c'est trop fun, on veut encore en faire. Donc je fais encore quelques combats avec mes potes et puis il y a de grandes chances que je vous les fasse gagner, je vais voir ça. En attendant, faites-vous votre propre petite idée sur ces petits engins. Moi perso je kiffe, je leur ai pas trouvé beaucoup de défauts, d'ailleurs j'en ai pas trouvé du tout pour l'instant. Maintenant, à vous de voir. Allez, mais moi il me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien, à très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao.